Ce sont des coups de sommation tirés par les militaires FARDC qui dispersaient certains manifestants au Ropo-Nyamwisi de Beni, une manifestation spontanée qui s'est soudainement déclenchée aux environs de 11h alors que des activités commençaient à reprendre au centre-ville. Il s'agit de certains taximens motos qui commençaient à débarquer des clients sur des motos de ceux qui travaillaient. C'est une manifestation qui rentre dans le cadre d'une série de 10 jours sans activité décrétée par le groupe de pression et mouvement citoyen de Beni et Butembo pour exiger le départ de la MONUSCO qualifiée d'inactive face aux tueries des civils à Beni. À cette troisième journée, la MONUSCO, par le biais de son porte-parole Mathias Gilman, au cours d'une conférence de presse, a précisé qu'elle est encore en RDC sur demande du gouvernement congolais. Il demande à ceux qui veulent le départ de la MONUSCO de penser à des milliers de personnes qui vivent sous sa protection dans l'Ituri et les hauts plateaux du Sud Kivu. La MONUSCO est déployée ici à la demande du Conseil de sécurité et avec l'accord du pays. Lorsque nous rencontrons les autorités congolaises, lorsque tous ils ont besoin de notre soutien, nous sommes ici à l'invitation du gouvernement. Ce n'est pas nous qui décidons que nous restons, nous ne sommes pas là pour nous accrocher si le gouvernement et les autorités congolaises ne veulent plus de notre présence. Mais néanmoins, je voudrais quand même aussi insister, lorsque vous allez à Roé, dans l'Ituri, lorsque vous allez dans les hauts plateaux, nous avons des dizaines de milliers de Congolais qui vivent sous notre protection. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi ces dizaines de milliers de Congolais qui, tous les jours, viennent trouver refuge auprès de nos bases. Demander son départ, ça ne me semble pas aller dans le sens d'une stabilisation pour la région. Je tiens à dire, puisque j'ai un de mes collègues humanitaires aussi, que les menaces dirigées contre les humanitaires sont absolument inacceptables et qu'encore une fois, les populations qui bénéficient de l'aide humanitaire ne partagent pas certains messages de haine qui sont en ce moment en circulation. Pendant ce temps, des manifestations s'enchaînent encore à Beni et Butembo pour exiger le départ de la mission onusienne.